Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Paradox et on se retrouve pour ce tout premier épisode de Rayman 2 The Great Escape sur PS1. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Reveal. Oui bonjour, bonsoir. Donc d'avance je fais ce let's play parce que GTA 3, le jeu est totalement buggé. Genre pour vous. Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Paradox, on se retrouve pour ce sixième jour, six, septième, je sais plus, je me suis paumé dans les jours. Je crois que ça se voit depuis le précédent épisode. Je suis totalement paumé dans les jours. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de... Enfin, pour le... pour parler de la série Rayman 2, The Great Escape. Rayman 2 Great Escape, c'est fait en 11 épisodes, le dernier épisode, une série qui date de 2015, donc qui date d'à peu près l'année dernière. Qu'est-ce que je peux vous dire? Rayman 3 arrive très bientôt. Cette série, pour moi, c'est un gros kiff. Rayman 3, je compte le faire un jour. C'est vrai que certains m'ont dit, tu fais Rayman 2, pourquoi tu t'attaques pas à Rayman 1 d'abord? Au lieu de commencer directement par Rayman 2, bah parce qu'en fait Rayman 1 c'était prévu, j'étais prévu de commencer par celui-là, je vais pas vous le cacher, sauf que Rayman 1, le jeu est nul, clairement le jeu est nul. Et en fait j'ai l'impression que pour avoir testé un petit peu le 3, donc genre 10 minutes, j'ai l'impression que Rayman 1 c'est plus en l'enfance de Rayman. Rayman 2, enfin non, Rayman 1 c'est quand il est, quand Rayman est bébé, Rayman 2 c'est quand il est on va dire enfant, et Rayman 3 c'est quand il est ado. Et peut-être que s'il y a Rayman 4 un jour, ce sera quand il sera adulte, pourquoi pas. Mais c'est vrai que Rayman 1 du coup pour moi c'est trop, c'est même pas enfantin, parce que Rayman est enfantin, mais Rayman 1 pour moi est trop, pardonnez-moi de l'expression, mais trop bébé. Et c'est vrai que, ouais, là on peut voir la bataille contre le premier boss, je crois, en épisode 3, donc oui, premier boss. Honnêtement, ce jeu, j'ai kiffé. On l'a fini en live ou en vidéo, je sais plus. En tout cas, je sais qu'il y a eu un live, il y a eu des lives sur Rayman 2. J'ai kiffé ce let's play. Il est... Honnêtement, Rayman, je crois que c'est l'un des tout... Enfin, Rayman, c'est le jeu qui a commencé à dire « Ça y est, ma chaîne, c'est du let's play. » Parce qu'avant, il y a eu, comme vous l'avez entendu dans l'intro, il y a eu du Rayman, il y a eu des trucs comme... Enfin, il y a eu du Rayman, il y a eu du GTA, des trucs comme ça. Mais au final, que des let's play qui sont pas concrétisés. Tandis que là, c'est... Enfin, tandis que là, oui, c'était le début du... des tout premiers, d'un des let's play qu'elle s'est terminée, le début du changement. Et ouais, pour moi Rayman c'était mon coup de cœur. J'ai kiffé faire cette série. Bon après il y a, ouais, 11, honnêtement 11 épisodes, non j'estime pas que ce soit trop. J'estime que c'est pas beaucoup, même si, bon, pour l'époque, j'étais, enfin, pour l'époque, je sais qu'à l'époque, donc l'année dernière, j'étais là en mode, ouais, 11 épisodes, ça commence à faire beaucoup. Au final, maintenant, quand tu vois que la plupart de mes séries, c'est 20, qu'on a fait du Pokémon qui fait, enfin, on y reviendra sur du Pokémon, mais Pokémon qui a réussi à faire 40 épisodes, ouais, Rayman, il a pas fait beaucoup d'épisodes. Mais il a fait juste ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'au final, je m'aperçois, enfin pour moi Rayman, c'est, ça a été le début du, ouais, t'as voulu le commencer et bah tu le termines. Enfin, t'as voulu le commencer, t'essayes de tout faire pour le terminer. Et pour moi Rayman avait un enjeu, à savoir que enfin à partir de l'épisode 10, non,
Ouais, à un moment en fait, je vais vous le dire, à un moment je me suis lassé du jeu, c'est pour ça qu'il y a eu un live. Et pour moi, Rayman, ça a été le jeu du. Si t'arrives à le finir, tu peux vraiment te consacrer à tous les. Enfin, tu peux vraiment te décrire comme étant. Comme faisant du let's play. Et j'ai réussi. Et c'est pour ça que aujourd'hui. Enfin, oui. C'est grâce à ce jeu qu'aujourd'hui vous avez du SP. Je suis content de vous dire que Rayman, enfin je suis content d'avoir pu finir Rayman pour pouvoir lancer, enfin pour pouvoir dire voilà, ma chaîne, c'est devenu plus Minecraft. Et plus Minecraft et Let's Play, mais Let's Play et Minecraft. Et pour moi, c'est une différence que ce soit Let's Play Minecraft ou Minecraft Let's Play. C'est-à-dire que celui qu'on met devant, donc à savoir Minecraft ou Let's Play, avant c'était Minecraft et Let's Play, ça veut dire que Minecraft a beaucoup plus d'importance, avait beaucoup plus d'importance que les Let's Play. Ce qui n'est aujourd'hui plus le cas. Les Let's Play ont beaucoup plus d'importance sur ma chaîne que le Minecraft. Et je pense que ça se voit. J'adore Minecraft, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas la question plutôt. Mais voilà, enfin, le let's play pour moi, c'est beaucoup. Pourquoi pour moi c'est beaucoup plus important que Minecraft? Parce que Minecraft, ça fait un petit moment que j'y joue. Au bout d'un moment, j'estime avoir fait le tour, tandis que le let's play, c'est très varié. Je peux jamais finir le let's play entre guillemets. Pourquoi? Parce que le let's play ça peut être très varié. Et ouais, j'ai honnêtement j'ai kiffé ce série, mais ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire que Minecraft enfin je mets de côté le jeu, au contraire, parce que enfin pour ceux qui ont suivi il y a deux enfin le calendrier d'il y a 2 jours, l'épisode du calendrier d'il y a 2 jours, vous savez que même que j'estime encore que l'une de mes meilleures séries, c'est une série Minecraft. Donc non, je ne laisse pas Minecraft. Non, je ne le délaisserai peut-être jamais, ou du moins pas maintenant, parce que Minecraft est très varié. Et Minecraft, ouais, Minecraft c'est mon petit bébé avec quoi j'ai commencé. Donc non, je ne laisserai pas Minecraft. Mais j'essaye de voilà. Et puis le fait d'avoir commencé d'être parti aussi sur plus du let's play, ça permet de dire voilà, Minecraft c'est bien, mais trop, ça va pas durer longtemps. Parce que honnêtement, combien de fois je vous avais fait des vidéos pour vous dire j'arrête Minecraft, j'en ai marre. Pourquoi? Parce que clairement, je consacrais ma chaîne uniquement à du Minecraft et j'en faisais trop. Ce qui fait que là, j'ai fait du Minecraft. Enfin, là, je suis rendu à un stade où, ouais, j'ai fait du Minecraft quand j'ai envie. Et puis, bon, il y a aussi le nouveau PC qui joue pas mal. Enfin, le nouveau PC, le fait que j'y a plus, que j'arrive à tourner avec les shaders, enfin, ça y joue aussi. Mais, ouais, clairement, le fait de ne pas faire que ça, moi, ça me plaît. Et, ouais, Rayman, ça a été le début du. Ça a été le début d'un nouveau jeu et puis c'est tout. Enfin, ça a été le début d'un. Ça a été le début d'un renouveau sur ma chaîne. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Après, voilà, sur le let's play, bah le let's play j'ai kiffé et puis j'ai rien d'autre à dire quoi. J'ai kiffé et c'est promis pour 2017. Vous avez Rayman 3 sur la chaîne. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, allez, salut tous, c'était Paradox. Bye!